bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, 22e vidéo du Comic Challenge. On avance petit à petit, bientôt on aura fini. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de mon adaptation préférée. Alors, mon adaptation comics préférée en film, c'est Doctor Strange. Donc du coup, Doctor Strange, pourquoi? Déjà, Benedict Cumberbatch. Est-ce que j'ai besoin d'argumenter plus que ça? Non, mais franchement, le film en lui-même, j'adore le principe de la magie. Le personnage en lui-même, comme j'en avais déjà parlé, hein, me plaît énormément et me marque à chaque fois que je le vois ou que je le lis. Et l'interprétation de Cumberbatch est juste parfaite, quoi. Ce personnage lui correspond très bien. Je trouve que ça colle aussi avec le personnage qu'il avait dans Sherlock. Et c'est un rôle qui lui va sublimement bien, où il est, où se prend pour quelqu'un de supérieur à tout le monde, quoi. Au-delà de ça, les effets, le fait qu'on introduise la pierre du temps, l'utilisation de la pierre du temps aussi, avec les symboles, la magie qui est utilisée, la dimension miroir. Enfin bref, tous les effets visuels, le fait qu'on commence à nous parler du multivers déjà dans ce film, alors que on en parle vraiment de plus en plus depuis WandaVision, depuis 2021. Dès que j'ai fini celui-là, je m'étais dit, mais vivement le deuxième pour en savoir plus sur le personnage, comment ils vont le développer et tout ça. Et le film Doctor Strange, je l'adore aussi, car on voit un peu d'arts martiaux, et ça mélange arts martiaux et magie. C'est deux univers qui me parlent énormément et que j'adore énormément. Et c'est pour ça que le film marche super bien sur moi, quoi. Et voilà qui va conclure cette vidéo. Laissez-moi en commentaire pour vous quelle est la meilleure adaptation cinématographique tirée d'un comics. Sur ce, je vous dis une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous dis à demain pour la suite du Comic Challenge.